flashs sur les familles qui se trouvaient sur les bancs comme toute la fond. Après, une autre évolution qui était très importante, c'était le mobilier de Benilia Lessi. Alors donc, la tombe de Guillaume de Saint-Clar et de Robert, des noms à particules parce qu'ils correspondent à des gentilshommes verriers. Leur entretien repose notamment sur les dons, mais pas seulement. Cela demande des efforts au budget des communes, notamment dans le diocèse de Lyon. Alors comment finance-t-on ces travaux? Réponse dans le dossier de ce journal. Une question à présent. Les églises du diocèse de Lyon sont-elles en danger? Chaque année, le responsable de la gestion des biens immobiliers catholiques appelle à des souscriptions. Pourtant, seulement un tiers des édifices leur appartient. Le reste est à la charge des communes, ce qui pose aussi des problèmes de budget. C'est le dossier de ce dimanche. Il est signé Elisabeth Philippe, Patrick Perel et Valérie Bonnier. L'église Sainte-Jeanne d'Arc à Vénissieux est un lieu de culte singulier de l'entre-deux-guerres. Les ouvriers des usines Berliet l'ont construite eux-mêmes avec des matériaux de récupération. La façade Art déco est rénovée minutieusement. Alors on travaille comme sur une restauration de tableau, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à tout refaire, on va chercher simplement par petites touches à réparer les zones qui sont abîmées. Puis, lorsque ces zones altérées ont été réparées, on protège les enduits avec un badigeon à la chaux naturelle, à la chaux aérienne, qui vient à la fois fermer les pores et donner la couleur suivant les échantillons validés par l'architecte. Les vitraux du cœur de Hansen, cette œuvre originale unique en France, représente des personnages de la Bible en ouvrier. L'édifice a été sauvé grâce à la mobilisation des habitants et fait partie des 170 églises construites après 1905 et donc à la charge du diocèse de Lyon. Et le diocèse de Lyon a été à deux doigts de la vendre et de s'en séparer, donc ça a été très très douloureux pour un certain nombre de paroissiens et surtout de gens qui habitent le quartier qui ne sont pas nécessairement des paroissiens. Et donc du coup deux associations sont nées pour justement défendre cette église et faire passer les vitraux au patrimoine.